Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un petit stream sur Forza Horizon 4. Voilà, juste le principe, déroulé, faire quelques courses, m'éclater un peu. Voilà, alors j'ai fait quelques réglages pour les paramètres du stream. J'espère que ces réglages permettent d'avoir une qualité suffisante. J'ai fait ces réglages parce que j'ai remarqué que sur le stream, disons que j'avais fait sur une pause avec une amie de jeu, dans la qualité. Pas exceptionnel, peut-être pas ouf. Alors, du coup, j'espère que cette fois, la qualité sera moins probable de toute façon, justement à la fin. Alors, pour commencer, je vais toujours faire le café et le réglage, parce que je ne sais pas pourquoi le jeu me remet toujours des réglages. Je n'ai pas défini par défaut. Alors oui, je suis pas nouveau sur le jeu, hein. Ça fait déjà quelques années que j'y joue, j'ai fait quelques pauses assez longues dessus. J'ai eu une période où j'ai arrêté d'y jouer pendant un an. Et c'est vrai que récemment j'ai repris, j'ai aussi eu un problème à mon jeu, je voulais pas se lancer, planter à chaque fois, jamais réussi à trouver la cause du problème. Ravi de vous revoir, Jonathan. Alors du coup, moi depuis j'y rejoue et je profite de pouvoir y jouer sans avoir de problème particulier. Alors, je vais commencer par réduire un peu le son du jeu, parce que je le trouve un peu fort. Voilà, je pense qu'un réglage à 3 ce sera pas trop mal. Alors comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent, je roule avec la Toyota Panda Trueno customisée Initial D avec le petit logo sur le côté, l'enseigne Fujiwara Tofu. C'est juste parce que voilà, j'adore cette série et j'ai voulu faire mon petit kiff sur Forza. C'est la reprise. On roule à froid. Il est temps de me chauffer. Pour cette petite voiture, j'ai fait mes réglages moi-même. Hein. C'est pas des réglages prédéfinis que j'ai été chercher sur d'autres personnes. J'ai vraiment fait mes réglages moi-même. Ils sont pas optimales parce que je ne connais pas tout à fait. Je suis pas un professionnel des réglages de voiture, mais j'estime avoir suffisamment bien réglé, du moins pour ma part. Faut pas m'en vouloir, je suis froid, hein, j'ai un petit peu de mal à pivoter. Ils ne connaissent pas Initial D, c'est une série d'animations japonaises sur des courses de voitures, des descentes et des montées de col. Moi personnellement, j'ai vraiment apprécié, c'est une série que j'adore, donc je vous invite à aller la regarder. Au moins à prendre le temps, au moins à regarder la première saison. Elle est vraiment très intéressante. Après, c'est du vieux dessin. Enfin, c'est une série qui est quand même assez âgée, donc vous n'allez pas avoir un truc avec des dessins super jolis comme les toutes dernières séries sorties. Mais pour ceux que ça intéresse et pour ceux à qui ça va plaire, les dessins vont pas déranger. Pas de soucis là-dessus. Je roule vraiment n'importe comment. Mais c'est pas grave, sur ce jeu, c'est permis. La route est mouillée, enfin je m'habitue. Donc ce que je fais en fait quand je démarre le jeu à chaque fois,
Dans un premier temps, je roule un peu à n'importe où, n'importe comment, je fais un peu n'importe quoi, histoire de reprendre la voiture en main. Histoire de me réhabituer à son comportement, parce qu'en passant d'un jeu à l'autre, mes réglages manettes sont pas les mêmes, en plus là j'ai pas de chance parce qu'il pleut, ça glisse beaucoup plus que d'habitude. Alors, nous sommes en automne, donc c'est normal. Tout ce qui est automne, surtout printemps, printemps ça pleut beaucoup. Après mes régions, je les ai fait en été, donc je suis plus à l'aise sur des routes bien sèches qui glissent pas trop. Et je vais essayer de m'adapter assez rapidement, j'ai pas des réglages spéciaux pour la pluie. À part que j'accélère moins, je fais plus attention, il faut juste que je retrouve mes habitudes. Voilà, donc là c'est déjà un petit peu mieux. Ça va venir tout seul. Faut juste laisser le temps. Voilà, ça commence à venir. Là en général à sec j'ai un petit peu du mal à négocier, mais après c'est humide, c'est pire. On va essayer de se limiter à 7000 tours minute comme dans la série. Si je pousse, j'ai réglé la voiture de sorte à si je pousse vraiment au maximum, je peux atteindre et dépasser très légèrement les 8000, mais je stagne à 8000. Voilà, sans vouloir spoil ceux qui connaissent pas, regardez la série, vous comprendrez pourquoi. Ceux qui connaissent, vous m'avez compris. Après quand je fais des cours je respecte pas toujours cette limite de 7000, parce que les gains de vitesse entre 7000 et 8000 que j'obtiens me permet quand même de tenir pas mal contre les autres. Et puis comme on est plus sur un jeu arcade plutôt que simulation, du coup si je fais péter le routeur, je vais pas casser le moteur. Pas un truc qui va venir vous embêter durant votre jeu. Au niveau des paramètres de difficulté, donc j'ai toutes les assistances qui sont désactivées. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe des jeux de course, il y a des assistances au freinage, à l'accélération, la direction, qui permettent de faciliter le jeu. Moi ces assistants je les désactive. Le seul truc que je laisse c'est la trajectoire au freinage. Je la laisse tout simplement parce que moi au niveau freinage voilà, je suis pas non plus un professionnel de la course automobile, donc savoir à quel moment freiner, combien de temps, comment beaucoup, pas beaucoup, je me prends pas la tête avec ce genre de truc. Je devrais, hein, histoire d'avoir une meilleure simulation. Donc voilà, et au niveau de la difficulté des drive atar, parce que l'IA dans ce jeu, ça s'appelle un drive atar, pour ceux qui ne connaissent pas, et ben, je suis sur l'avant-dernier niveau de difficulté max, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que le dernier niveau c'est imbattable. Vous avez atteint votre destination. Alors pour le mode histoire j'étais en mode imbattable, mais comme là je joue en mode un petit peu fun, je fais des courses un petit peu en mode voilà, je dérape à chaque virage, je suis pas très optimal sur mes trajectoires. Voilà, je les ai juste réduits un tout petit peu histoire d'éviter de me faire semer dans les virages, parce que sinon ce serait pas drôle.
peut également désactiver aussi les dégâts. Vous avez atteint votre destination. On peut régler les dégâts sur superficiel, juste histoire d'avoir la voiture qui s'abîme, ou alors simulation pour avoir l'usure des pneus, la jauge d'essence qui descend, mais la voiture qui tombe jamais en panne d'essence. Ça, c'est un truc qui est assez marrant. Et si vous abîmez votre carrosserie, votre aérodynamisme se verra affecté. Ce qui est assez embêtant, surtout avec des grosses voitures qui roulent super vite, avec des ailerons partout, il faut qu'elle accroche au sol, bah malheureusement, si vous abîmez les ailerons, elle accrochera plus grand chose. Pareil au niveau des roues, si vous abîmez les suspensions, les freins, ça va vraiment impacter le style de conduite. Alors si vous tapez un côté de la voiture, bah, si vous allez endommager l'avant, la direction, bah, malheureusement, la voiture, si vous touchez pas le joystick, le clavier directionnel, si vous jouez au clavier, bah, votre voiture, malheureusement, elle tombera toute seule. Ce qui est logique. Après, moi tout ça, je désactive. J'aime bien avoir une voiture propre, visuellement. Après au niveau des dégâts, comme je passe mon temps à drifter, voilà, juste pour éviter d'avoir les pneus tout le temps et puis de déraper en accélérant tout le temps et puis avoir l'accroche. Parce qu'après c'est juste incontrôlable, au bout d'un moment c'est juste incontrôlable. Donc voilà. Un peu de la merde parce que j'essaie de regarder en même temps sur le live, voir un petit peu ce que ça donne en retour pour voir la qualité et si c'est assez fluide. Je vois qu'il y a des baisses de FPS de temps en temps. Sinon, niveau de qualité, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Vous avez atteint votre destination. Juste quelques petites pixelisations de temps en temps, j'ai l'impression. Pas encore rodé de ce côté là, je vais faire le futur réglage pour essayer de trouver la meilleure configuration, le meilleur compromis entre qualité et quantité. C'est là que j'ai c'est ici. Alors le Goliath. Le Goliath, c'est une course, on va dire, terminus. Pour tout ce qui est les épreuves de course route, c'est la dernière épreuve que vous débloquez après avoir atteint le niveau nécessaire. Je crois que ça se débloque au niveau 10, si je dis pas de bêtises. On va commencer par une petite course en mode solo. Alors moi, je fais pas le Goliath. J'ai créé une épreuve personnalisée... voilà, hein, avec les styles de voitures japonaises. Donc je l'ai appelé une méga tour parce que ça reprend le Goliath et en même temps j'ai quelques routes supplémentaires. J'ai le circuit, il doit faire 62 km quelque chose. En mode nuit avec du brouillard. Voilà, et je l'ai appelé Initial D parce que quand je l'ai dit au début, comme j'aime bien Initial D, je me suis fait mon petit kiff et je roule avec ma petite Panda Trueno. Donc, on va charger la petite course. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait bien nuit. La visibilité, elle est pas non plus réduite au point de c'est très dérangeant. J'ai essayé de rajouter le brouillard, mais ça réduit pas plus que ça. Donc voilà, c'est parti. Plus rapide que les autres voitures en même temps, la mienne elle est réglée, je l'ai optimisée pour être au maximum de la catégorie. Donc forcément je vais aller plus vite qu'au démarrage. Alors
général, au début, dans la vie, sur cette course, j'y vais plutôt tranquille. Voilà, je tape un petit peu le terrain au niveau de l'adhérence du véhicule pour voir si ça passe, si ça passe pas. J'essaie de trouver mes marques. Et après, une fois que ce sera bon, je vais pouvoir taper dans le dur. Alors moi je suis du genre à apprécier les courses longues avec des véhicules lents. Voilà, les courses où ça va super vite avec des gros supercars sur des petits circuits assez courts, c'est pas ma tasse de thé. Moi j'aime bien quand ça dure, voilà, quand on prend plaisir à rouler. C'est un truc que j'apprécie quand même pas mal. Après j'aime bien mais les trucs qui vont super vite aussi, hein, c'est vachement bien. Mais bon. Un petit peu vite. Après c'est du train assez longtemps pour moi, c'est pas ce que je préfère. Maintenant on va essayer de jouer avec la limitation à 7000 tours minute, on va voir si j'arrive à m'en sortir comme ça, donc forcément je vais me faire rattraper. Mais bon, c'est pas grave, le circuit de toute façon il est suffisamment long pour que je puisse me rattraper plus tard. Mais par contre il y a un truc que moi je comprends pas dans le jeu, c'est le drive là. Des fois il roule en dehors de la route et ça a pas l'air de les ralentir plus que ça. Bon, ceux qui conduisent, hein, vous savez très bien que une roue en dehors de la route et puis en général on relâche l'accélérateur parce que c'est un réflexe. On n'a pas trop envie non plus de rouler dans les champs, sauf ceux qui ont des gros 4x4 qui s'éclatent à ça. C'est pas mal à voir mes marques. Sur la conception du circuit, à ce niveau-là, il y a un bug, le drive car freine. Voilà, la trajectoire, apparemment, leur demande de freiner à ce moment-là, alors je ne sais pas pourquoi, alors c'est une droite. J'ai mal géré mon virage, c'est cette punition. Ah, des fois, une simple erreur de ce genre, c'est assez punitif. Surtout quand le niveau des drive attack est assez élevé, c'est très difficile après de les rattraper. On va quand même essayer d'accélérer un peu, mais on roule correctement. Bon, comme vous voyez, dans le noir, hein, c'est la nuit, mais la visibilité n'est pas si faible que ça en fait, hein. On voit quand même relativement bien, surtout de la route là, vous voyez sur le côté où les autres voitures roulent, on la voit quand même assez loin la route. C'est pas très compliqué d'anticiper, il y a juste quelques endroits genre le type forêt, là la musique descend vraiment pas mal et puis c'est assez représentatif. Je trouve pas c'est encore suffisant, ou alors il faudrait que je puisse peut-être une musique du jeu. Et là hop, je viens de faire une boulette, j'ai loupé le point, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc là ça c'est la grosse punition, c'est le genre de truc multijoueur, les gens en général quittent la game. Là je fais vraiment n'importe quoi. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Bon bah meuble à dernier, bon il n'y a plus qu'à rattraper ça maintenant. Mais ça va pas être évident.
pour ceux qui se poseraient la question, je dérape uniquement au frein. J'utilise pas le frein à main. J'utilise directement le frein ou alors l'inertie de la voiture, comme là. Voilà, un petit coup sur la gauche, puis sur la droite, et hop, le cul qui part. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'artifice. J'ai réglé justement la voiture exprès pour qu'elle dérape assez facilement de l'arrière, qu'elle chasse un petit peu au fond. Bon, j'ai tout simplement augmenté le freinage sur les roues avant. Là, comme vous pouvez le voir, cette voiture elle monte difficilement au-dessus des 8000. C'est réglé exprès pour, mais bon, elle est quand même assez rapide. Alors le truc c'est que si j'essaie de comparer par rapport à la série, étant donné que j'ai jamais vu un col avec une ligne droite et une vitesse de pointe au maximum, je sais pas exactement à combien il roule, maximum. Je sais pas si je suis très représentatif. Après au niveau du son, au niveau du bruit du moteur et du style de conduite, j'espère être assez raccord quand même, parce que c'est un peu le but. Aussi bien, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, d'habitude ce virage c'est un virage que je négocie très bien, j'ai pas de soucis particuliers avec lui, mais là je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. Donc là pour moi ça va être très difficile de les rattraper. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit aussi, je roule toujours en boîte de vitesse manuelle avec embrayage. Voilà, j'ai joué comme ça pour la première fois dès le début et je suis resté avec ces réglages depuis toujours. Voilà, moi les boîtes automatiques, c'est pas dans les jeux, c'est pas un truc qui me... Ça me facilite pas plus la tâche qu'autre chose. Moi j'aime bien vraiment le fait de pouvoir passer soi-même les vitesses, ça permet de s'adapter plus facilement à certaines situations par rapport à une boîte de vitesse manuelle, enfin je veux dire automatique. Après la boîte de vitesse automatique il fait très bien le taf aussi, hein, ça... pas que c'est mieux de le faire en manuel, le manuel c'est bien pour ceux qui préfèrent et qui la gèrent plutôt pas mal. Et c'est que dans le cas où là étant donné que je fais du drift, je fais un peu n'importe quoi, je trouve pas non plus aussi bien que les drive radar comme on vient de le voir là, on sert des vues, voilà, je peux pas rivaliser avec eux. Bah, pousser le moteur dans le rouge c'est très pratique alors qu'avec une boîte auto c'est pas faisable. Et puis après si on veut faire genre voilà on conduit, on respecte les limitations de vitesse quand on est en balade, on fait ces petits trucs, on va faire nos courses, un peu tranquille. Voilà, un boîte de vitesse manuelle, c'est pratique quoi, tu fais comme si tu roulais en vrai. On a poussé un peu les poubelles, voilà, c'était trop au bord de la route. Alors, il y a un moment où il y a une poubelle qui est vraiment sur la route, alors je sais pas ce qu'elle fait sur la route, mais elle est sur la route. Parce que les gens apparemment en Angleterre mettent leurs poubelles sur la route. Elle vend chez eux, passant le trottoir sur la route. Donc, on a réussi à passer 10e, mais c'est pas suffisant. Le mieux, ce serait de rattraper la tête de course.
eux, ils ont déjà attaqué la portion où ça va être la grande route. On va pouvoir rouler à fond. Oula, je vais descendre le virage n'importe comment. Donc ouais, à partir d'ici, c'est pas, il n'y a plus de virage dans lesquels je peux vraiment drift. Là, ça va être vraiment de la course vitesse de pointe. Et là, malheureusement, je suis désavantagé. Parce que même en dépassant les 7000 tours minute, en cinquième, j'atteins difficilement les 230. J'ai un petit peu de mal à les dépasser. Voilà, ce sera pour l'instant une dernière route pour un moment. Voilà, là j'atteins ma limite un petit peu, là c'est, je vais avoir difficilement possibilité d'aller plus vite. En plus j'ai personne devant moi pour servir de l'aspiration, donc c'est un peu compliqué. Voilà, hein, 228, 209. Même pas 230, là c'est vraiment en descente 230. Après c'est un choix que j'ai fait, hein. J'aurais pu optimiser le véhicule avec vraiment des réglages monstrueux et faire dépasser les 380 km/h, mais c'était pas le but. C'est pas le but et puis elle est pas faite pour ça, donc c'est comme essayer de pousser une pile à suivre une Ferrari, quoi. C'est, une pile, c'est un modèle de voiture, c'est une toute petite voiture minuscule, je crois qu'elle est, elle est sur 3 roues. C'est une voiture qui est vraiment ridicule. C'est un peu la même chose que vos voitures sans permis, mais en pire. Il y a des gens qui les customisent, mettent des moteurs dedans, pas bon jeu, je parle, hein, parce qu'en vrai c'est pas trop possible. Ils mettent des moteurs des trucs qui pulsent et tout. Ils arrivent à pousser leur voiture à je sais pas combien de chevaux. Et la voiture elle est juste incontrôlable, c'est impossible à piloter. En plus elle est sur 3 roues, le moindre virage soulève. Moi personnellement j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à la garder sur la route une seule fois. Même en ligne droite. Hein. Elle part trop facilement. Après je roule pas non plus uniquement avec cette voiture, hein. J'en ai quand même pas mal d'autres. Bon, j'ai jamais roulé avec toutes les voitures que je possède, il y en a pas mal que j'ai jamais utilisé et que j'utiliserai sûrement jamais. Bon, c'est pas des voitures qui m'attirent plus que ça. C'est un peu comme tout le monde, hein. On a chacun ses préférences au niveau du véhicule. C'est d'ailleurs l'intérêt d'en avoir autant dans un jeu de course. C'est que chacun y trouve son compte. Moi j'aime bien les petites voitures japonaises. J'aime bien aussi retrouver un petit peu des voitures courantes, genre tout ce qui est des petites Renault. On a peut-être plus une dans le jeu. Je crois qu'on a aussi de la marque Peugeot, on a de la Citroën. Enfin, on retrouve toutes sortes de marques. Avec des voitures, des modèles qui sont des modèles courants qu'on retrouve sur nos routes. Donc, moi j'aime bien. Après, étant donné que c'est quand même un jeu plus arcade que simulation, les contrôles, les sensations,
voilà, le style de conduite ne va pas du tout être le même en vrai par rapport à un jeu. Il ne faut pas s'imaginer que c'est parce que j'ai un pédalier, une boîte de vitesse, un volant et que je joue à Forza et que je sais conduire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, enfin, qui ont remarqué, je joue à la manette. Moi, j'ai pas de volant. Je fais tout au joystick. Ça m'empêche pas de bien rouler, hein. Après, moi, je fais un peu n'importe quoi. Ça reste un jeu que j'ai quand même pas mal torché. Si vous voulez, au niveau de l'histoire, j'ai plus rien à faire, quoi. J'ai rien à prouver. Je suis peut-être sur la map Lego. De construction de la maison, il m'en reste une à faire, mais il faut avoir la totalité des légumes. J'ai un petit peu la flemme. Je sais même plus pourquoi il demande la totalité des légumes, c'est pour construire. Hein. Je sais plus. Ah, j'avais jeté un coup d'œil. Vraiment énormément de mal à les rattraper. Ça va être très difficile pour moi de regagner la tête du classement, ou au moins le groupe des têtes. Si je pouvais au moins rattraper celui qui est juste devant, ça m'arrangerait. Alors pour ceux qui connaissent un peu le jeu, qui jouent un petit peu de temps en temps, ou très souvent, et qui font quand même pas mal de courses, ou qui collent pas mal, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du circuit que je fais. Bon, il y a rien d'exceptionnel, mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, savoir si c'est le circuit sur lequel vous voudriez bien rouler ou pas. Ça plaira pas à tout le monde, tout ça. C'est vraiment un circuit que j'ai fait pour moi à la base. Je fais vraiment n'importe quoi là. Oh là, voilà. Bon, je vous rassure, d'habitude, je roule pas comme ça. Ils sont tous debout. Pouvoir les rattraper. Une ligne droite, vitesse de pointe, un petit peu en montée. Là, je vais perdre en vitesse, oui, pour pouvoir rouler. Si je veux avoir une chance de vraiment les rattraper, il faudra que je limite au maximum mes drifts en virage, histoire de gagner plus de temps dans les virages. Après, c'est le souci des réglages de la voiture, c'est étant donné que je l'ai réglé pour qu'elle chasse assez facilement. Voilà, il faut vraiment que j'ai un contrôle de l'accélérateur parfait si je veux pas drifter. Juste pour rien. Désolé, il y a certains endroits, ce qu'un virage c'est là pour le drift. Il y a certains endroits je ne peux pas m'empêcher de le faire. Après, je fais ça n'importe comment, mais bon. Moi j'aime bien. En fait c'est pas vraiment du drift, c'est juste du dérapage en fait. Certains diront que c'est la même chose, mais bon. Il y a vraiment une catégorie dans les courses autoroutes où vraiment les voitures ont vraiment que ça. Après le dérapage, c'est un peu ce que je fais.
juste l'arrière qui dérape et puis bah, j'essaie de contrôler le véhicule. Bon, j'arrive un petit peu à les rattraper, mais c'est pas suffisant, il faudrait vraiment que... Qu'est-ce que je vais réussir à en rattraper au moins un? C'est pas mal là. Et en plus, on a largement dépassé la moitié de la course. Maintenant, on est plus en train d'arriver vers la fin. Oui, on rattrape au moins un. Et au moins deux. Le cyclone sera prêt sur le prochain virage. Merci. On va éviter de rester dans ce virage. Ce serait dommage de perdre de la vitesse à ce moment-là. Voilà. Plus qu'un pied. Hop, on prend la cinquième place. C'est pas mal, j'arrive à remonter. J'ai quand même à signaler qu'à un moment j'étais 12e et j'étais pas très bien. Voilà, on est là ici. En général, ce passage-là, je l'aime pas trop, parce qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé quand j'ai réussi. C'est que les autres voitures, elles arrivent après, et que forcément, quand elles arrivent au même moment que quand on passe, bah, il se passe des trucs de pas forcément connus. Une petite collision, les voitures qui nous emmènent là où on peut pas. J'ai pas trop réfléchi à cet aspect de la course à ce moment-là. Et si on se débrouille bien, ça passe. La voiture elle a envie de... elle a envie de déraper. Elle veut y aller. Voilà, ça va être... si je pourrais rattraper peut-être ces deux-là, mais pas le premier. Non, pas dans le gars, pas dans le gars. Ah. Non, je serai pas zen. C'est pas mal, au moins un podium. Ça c'était mon petit circuit. Enfin, le Goliath à ma façon. Quelques routes supplémentaires. Juste histoire de passer par-ci par-là et de s'éclater un petit peu. Alors, juste avant de vous montrer du coup mes différentes voitures que j'apprécie, je vais juste faire une petite pause. Hop. Donc, je vais tout simplement vous mettre en attente et je reviens dans quelques instants. Voilà, à tout de suite. Thank you.
Ça y est, me revoilà. Nous allons pouvoir continuer. Alors, donc juste avant de partir, je disais que j'allais vous montrer donc du coup les différentes voitures que j'ai avec lesquelles j'aime bien rouler. Donc c'est pas ça que je veux faire. Donc, bah déjà la Toyota Panda Trueno. La Sprinter Trueno pour être exact. Voilà, c'est une des voitures que j'apprécie vraiment énormément et je viens de remarquer que je n'ai jamais ajouté au favori. C'est un peu bête, étant donné que c'est une voiture avec laquelle je roule beaucoup. Donc après, donc voici un petit peu toutes les voitures que je possède. Partout il y a écrit nouveau, c'est des voitures que j'ai obtenues et avec lesquelles j'ai jamais roulé. Faudrait que je le fasse pour essayer. Après j'ai quelques doublons, des triples, ça c'est avec la roulette là quand on gagne la possibilité, quand on gagne des voitures en fait directement, ça arrive qu'on gagne plusieurs fois la même. Donc voilà, alors les voitures avec lesquelles j'apprécie, il n'y en a pas énorme. Alors j'aime bien rouler en Audi c'est bien, c'est ça a un beau son, ça roule vite. Ce que je préfère en particulier, donc c'est les R8, hein, les R8, la coupée. Après, ce sont pas vraiment mes favoris. Alors BMW, c'est pas une marque que je tiens particulièrement dans mon cœur, mais par contre, il y a une voiture, la voilà. Donc la M3 de 97. Voilà, c'est. Alors vous allez sûrement reconnaître un petit peu le design de le vinyle. Je vais la prendre pour vous montrer. Donc pour ceux qui ont déjà joué à Need for Speed, je pense que vous l'avez très bien reconnu. Voilà, c'est la BMW M3 de Need for Speed qu'on retrouve dans Most Wanted, dans Carbon. Donc elle est réglée également un peu comme dans Most Wanted. Voilà, j'essaie de garder un petit peu le bon moteur pour avoir la bonne sonorité. Pour essayer d'avoir à peu près la même puissance, le même comportement. Je n'ai pas fait comme certains qui modifient vraiment la transmission pour avoir une transmission intégrale. Moi, je la garde vraiment en propulsion. Donc, sur les départs arrêtés, ça me fait énormément défaut, surtout dans le jeu. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça, une propulsion en démarrage par rapport à une transmission intégrale. Alors oui, par contre, voilà, j'ai un souci avec cette voiture. C'est qu'elle est pas comme la Panda, la Sprinter Trueno. Elle va plus vite, donc forcément dans le virage, faut que je ralentisse. Voilà, c'est vraiment une voiture. Je crois que c'est la première voiture que j'ai commencé à customiser, vraiment parce que bah. Voilà, un Need for Speed, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire pareil. Voilà. Ah oui, un truc que vous avez sûrement remarqué depuis le début que j'ai pas parlé, c'est la plaque d'immatriculation. Alors, vous pouvez voir mon surnom, Moustique. Voilà, ça rentrait, donc j'aime ça. Les performances de la voiture, elles sont pas exceptionnelles non plus. J'aime bien faire des réglages, des améliorations qui restent quand même relativement cohérentes avec ce qu'on voit ailleurs, la réalité, ou même ce qu'on peut trouver dans les jeux pour essayer d'avoir, ou dans les séries, pour essayer d'avoir le plus de similitudes. Que dans les réglages, dans les améliorations sur cette voiture, il y a possibilité de changer le moteur pour en mettre un vraiment plus costaud,
va être une transmission intégrale pour vraiment vraiment accrocher sur la route. Va être vraiment très performant. J'ai vu des BMW WM3 comme celle-là customisées un peu comme la mienne, avec des performances, mais juste c'est what the fuck, c'est pas possible. Hey, j'ai pas le temps de lui répondre. Il y a un petit coup de klaxon. Alors je trouve que la communauté sur ce jeu elle est vraiment binaire en fait. Il y a les gens qui vont être là, qui vont rouler, peu importe ce qui se passe. Et il y a les gens qui vont être là et qui vont rouler pour gagner, strictement gagner. Genre s'ils voient que la victoire n'est pas à portée, ça fait 2 minutes qu'ils sont en train de rouler sur une course qui dure 2 heures, ils vont quitter la game. Ils vont quitter la course. Et c'est assez dérangeant en fait. Parce que le circuit que je vous ai montré tout à l'heure justement, ça m'est arrivé de le faire en multijoueur, en joueur contre joueur, de courir contre d'autres joueurs. Et dans la plupart des cas, je suis obligé en fait de ralentir ou de les attendre parce que quand ils voient que tu prends trop d'avance, et puis ils se disent je vais jamais gagner, et en fait ils quittent la course. Ou alors ils sortent un petit peu de la route, ils se prennent un mur et ils quittent la course. Et ça c'est un peu chiant, surtout quand on est genre 2 ou 3 à rouler et quand on est plus petit. On a de l'intérêt de faire la course. Alors, donc là, je viens de remarquer que j'arrive au rupteur en descente. Et ça, c'est pas trop ce que je recherche. Je préférerais ne pas être au rupteur. J'y suis toujours. On va essayer de pousser le réglage un peu plus loin. Hop là. Ouh. Donc c'est pas suffisant, on va essayer de le pousser un peu plus. Non, toujours pas. Bon, dans ce cas-là, on va le régler directement comme ça. C'est un peu mieux. Elle pousse quand même. Elle tend quand même encore à monter au rupteur. Je vais la régler encore un petit peu. Voilà, là je devrais être pas mal. Nickel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Avec lesquelles j'aime bien rouler aussi. C'est vraiment pour le fun, en course elle est pas adaptée. C'est pas le genre de voiture que je sortirais vraiment pour essayer de gagner. C'est vraiment pour le plaisir de rouler. Alors, ensuite, donc on était à BMW, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ensuite, j'ai pas mal routé aussi avec les Bugatti. Alors je préfère quand même la Super Sport, parce que la Veyron et la Chiron, elles sont rapides, mais je les trouve pas très stables. Elles accrochent pas trop la route, surtout dans les virages. Après, bien optimisé, je suis sûr que ça peut faire une excellente voiture. Pour la course, hein, de ce côté-là, j'ai aucun doute. Chevrolet, j'aime vraiment bien cette marque aussi, Chevrolet. Il y a pas mal de voitures qui sont très intéressantes. Alors, ensuite... Dodge, j'ai pas mal roulé avec la Viper. Ça doit être celle-là, la SRT.
Je sais plus laquelle que c'est, il y en a une avec laquelle je roule vraiment pas mal. C'est celles qui sont réglées sur S2. Voilà, c'est celle que j'ai améliorée. Ferrari, alors Ferrari. Ouais, donc il y a celle-là, je pense que tout le monde la connaît, tout le monde en a parlé à un moment, celle qui dépassait 500 km/h et qui garde quand même une sacrée stabilité en route. Alors les réglages pour dépasser les 500 km/h, ils sont juste horribles. Il y a l'arrière de la carrosserie, les roues arrière qui rentrent dans le sol. Alors c'est un bug. C'est complètement un bug, hein, mais bon, ça permet de dépasser les 500 km/h. Alors je comprends pas trop comment ça fonctionne, comment ça a été codé de ce côté-là, mais ça le permet. Ford. Alors j'aime bien Ford. Ford Focus. La Ford Focus RS. Je l'aime bien. Elle roule très très bien. La Fiesta RS aussi. Très pratique. Surtout quand on fait un petit peu de rallye. La Fiesta ST aussi, pas mal. Permet de se balader, faire un petit peu de route. Moi j'aime bien, c'est surtout la Ford GT. Ça me rappelle mes premiers jeux Need for Speed où je roulais vraiment beaucoup avec cette voiture-là. Pour moi, c'était la plus rapide. Une fois améliorée, c'était pour moi la plus rapide. Celle du moins avec laquelle j'étais le plus rapide parce que. Après, la performance d'une voiture ne fait pas tout. Alors celle-ci. Celle-ci. Tout le monde ne la connaît pas, mais tout le monde devrait la connaître. Donc elle est vraiment pas du tout améliorée, performance, rien du tout. Mais. Eh! J'étais engagé? Non, je fais pas de constat. Je fais pas de trace de voiture. Donc celle-là, normalement, tout le monde devrait la connaître. Tout le monde devrait savoir. Ou du moins tous ceux qui ont au moins regardé Harry Potter. C'est la voiture de la famille Weasley. Bon, dans le jeu, malheureusement, elle vole pas. Voilà, et puis elle est aux couleurs justement de celle dans Harry Potter. Donc pour vraiment vraiment apprécier le véhicule, il suffit vraiment, enfin pour vraiment constater, il suffit de regarder le 2, la chambre des secrets. Là, on la voit beaucoup quand même la voiture dans celui-là. Moi ouais, je l'aime bien. J'aime bien, elle est pas mal. Ça roule plutôt bien. Elle a un comportement vraiment bien représentatif des vieilles voitures. Vieilles voitures anglaises. Ouais, et là je suis à fond. Voilà, je suis à fond, je roule à 120 km/h. C'est pas une des premières voitures qu'on choisirait pour faire de la course. Mais dans sa catégorie, voilà, ça reste quand même une bonne voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, on était où? Anglia, c'est Ford. Donc Ford, je vais commencer à chercher. De cette manière, ça ira plus vite. Donc j'ai perdu. Nous étions là, ici. Formula Drift. Bon bah je les ai testées hein, mais bon. Voilà, elles sont déjà pré-réglées, pré-améliorées. Après on peut toujours les modifier à sa guise en fonction de comment on les préfère. Mais bon c'est pas. J'ai pas beaucoup roulé avec. J'ai pu tester un petit peu aussi quelques véhicules un peu particuliers. Celle-là. Alors celle-là, juste parce qu'elle m'a fait penser un petit peu à une Peugeot 406, une 309, un peu de ce type-là, ou aussi un petit peu la Renault 21. Ouais, je me suis éclaté, j'ai un peu amélioré en catégorie S2. C'était juste histoire de m'éclater un petit peu. J'ai pas roulé beaucoup avec non plus. Et là, donc du coup, Honda.
Honda, j'ai pas beaucoup roulé avec les Honda. J'en ai testé quelques-unes histoire de faire des courses en fonction de la marque du véhicule. Sans plus. Hoonigan. Alors elle, ouais, j'ai beaucoup roulé avec. Très pratique pour faire du rallye. Les autres, c'était juste histoire de tester. Voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Jaguar pareil, c'était histoire de les tester. Alors il y a un moment j'ai grugé mon frère avec cette voiture, on a fait une partie ensemble. On a tous les deux pris justement la petite Citroën, comme celle-là là. Le truc c'est que bah moi elle est améliorée et la sienne était d'origine. Et on a fait une petite course et du coup j'ai fait comme si j'avais les mêmes performances que lui en accélérant vraiment doucement et tout. J'étais un petit peu bâtard de ce côté-là, je l'ai un petit peu laissé prendre de l'avance. Et au dernier moment, juste avant la fin de la course, bah, j'ai appuyé sur l'accélérateur, la voiture elle est partie comme ça et puis bah il a rien compris. Bon, la Koenigsegg Agera RS. Bon, je la présente pas, c'était la voiture la plus cheatée du jeu au tout début, au lancement. Beaucoup roulé avec. Alors, voyons voir Lamborghini, c'est laquelle que j'aime bien rouler? C'est celle-là ou c'est celle-là? Je crois que c'est la Aventador. Après celle-là, ouais, je l'ai eu en cadeau, je l'ai modifiée, j'ai testé, mais sans plus. J'en ai une version police pour faire un petit peu de roleplay. Mais je roule pas beaucoup, je roule pas beaucoup en février non plus. Alors les Lego j'aime bien parce que c'est juste rigolo en fait. Alors, on voit une superbe voiture qui passe toute belle, super puissante, magnifique et tout, une voiture Lego qui la trash juste à côté, c'est juste hilarant. Le jour où sur l'autoroute vous roulez ou vous faites tracer par une voiture Lego, filmez. Ah, faut filmer, faut pas rater ça. C'est juste tellement drôle. Mazda. Alors j'ai pas mal roulé avec Mazda, surtout tout ce qui est RX-7. J'ai fait un petit peu aussi, c'est la MX-5. La MX-5 aussi j'ai pas mal roulé. Surtout les RX-7. Voilà, les RX-7. Pareil que la Toyota Sprinter Trueno pour Initial D. Alors par contre je les ai pas vraiment améliorés pareil que la série, ni au niveau des coloris. J'ai vraiment fait classique quoi, je me suis pas plus penché dessus de ce côté-là. La Senna, j'aime bien rouler avec la Senna parce que elle est rapide, elle est très stable. Voilà, elle accroche bien la route. C'est une voiture avec laquelle j'apprécie vraiment de rouler. De ce côté-là, j'ai aucun souci. Ouais, j'ai plein d'autres véhicules avec lesquels j'ai jamais roulé. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je peux pas donner mon avis dessus. Il y en a certaines qui sont assez particulières. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelques petites voitures de collection, juste histoire de voir de la collection. Ah oui, Nissan. Nissan aussi j'aime bien, surtout les GTR. J'aime bien la Silvia, la Skyline, les voitures que j'apprécie quand même pas mal. J'avais amélioré celle-là en mode vraiment pour les épreuves de drift. J'avais fait un truc pas trop mal, c'était assez potable. Mais rien de bien exceptionnel, hein. Je suis pas non plus un professionnel dans le domaine. Pagani, j'aime bien rouler aussi avec, j'aime bien stabilité, vitesse. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. La pile. Alors, en général, c'est la pile 50. La pile 50, les gens aiment bien la prendre, la modifier pour vraiment faire un monstre de compétition. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir sur les performances, la catégorie, je suis en classe S1. En 4 roues motrices, alors que théoriquement, elle en a que 3. Hein. Sur l'image, on voit très bien qu'elle a que 3 roues. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que c'est assez drôle. Voilà, on peut se dire, bon, c'est une toute petite voiture, ça roule tranquille, c'est pas mal pour se balader,
Mais dans ce jeu, on a quand même la possibilité vraiment de la pousser de façon monstrueuse. Et voilà ce qui se passe dès qu'on touche quelque chose. Chute incontrôlable. Et une fois que ça part, après, pour rattraper, c'est catastrophique. Bon, voilà. Bon, complètement. J'ai essayé de prendre un virage, j'ai pas réussi. J'ai la jambe complètement levée. Quitter la route. Pour dire que c'est marrant, mais c'est juste incontrôlable. Après, juste histoire de rigoler, on peut faire des trucs quand même pas mal avec. Pour faire du deux roues, franchement, c'est assez drôle. Voilà, le comportement du véhicule est vraiment aléatoire, c'est du n'importe quoi. Pas du tout fait pour rouler à cette vitesse. Je vous garantis que le moindre virage que je prends, c'est avec des pincettes, je serre des fesses. Ouais, j'y vais vraiment tout doucement sur le joystick, parce que sinon je sais qu'elle va partir en sucette. Voilà, sur les lignes droites, ça va. Sur les courses où il y a un petit peu de virage, voilà, elle fait un peu n'importe quoi. Ah, si on peut quand même taper quelques petits dérapages avec, mais sans plus quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est quand même une voiture qui se remet toute seule sur ses roues. Théoriquement, sur la voiture, tout le poids est vraiment réparti sur le bas du véhicule. La voiture qui danse sur la roue, c'est vraiment n'importe quoi. C'est catastrophique. Voilà. Donc, on va poursuivre. Donc, on était pile. Voilà. Les Peugeot. Ah, et voilà. Peugeot, bon, bah la 205. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Moi, personnellement, j'en ai pas vu d'autres. Essentiellement pour faire du rallye. Ensuite, Pontiac, Porsche. Porsche, j'ai roulé un petit peu avec, mais sans plus. Il y a plein de marques en fait que je connais pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Renault, ah voilà, donc la Renault, on a la Clio, on a la Mégane, on a la Clio Williams, on a la Renault 5, on a l'Alpine, on a quand même pas mal par rapport à Peugeot où il y en a vraiment pas beaucoup. Moi j'ai pu tester un petit peu tout ce qui était Clio Mégane, j'ai testé la Renault Williams que j'ai quand même pas mal amélioré aussi, la R5, j'aime bien la R5. Chez mon frère qui avait une R5, c'est une voiture que j'aimais bien aussi. L'Alpine, juste pour tester. C'est une voiture que je trouve quand même pas mal. Dans sa catégorie, elle est vraiment bien. Ça roule plutôt bien. Ensuite, Subaru, j'ai pas mal roulé avec l'une d'elles. Donc c'est celle-là. Voilà, la Impreza WRX. Ou alors c'est celle-là. Je sais plus, c'est une des deux. Je crois que c'est plutôt celle-là. C'est la 22B. Je crois que c'est plutôt celle-là avec laquelle j'ai vraiment beaucoup roulé. En catégorie B. Surtout pour tout ce qui est les courses dans la terre. On passe à travers les champs. On roule dans le sable. Alors ça, j'ai jamais essayé. Je crois que j'essaye, tiens. Je vais essayer. Ça a l'air marrant. Je sais pas trop ce que ça donne. Un tracteur. Sacré volant moteur quand même.
un tracteur qui roule quand même à plus de 150 km/h, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être moyen, je vais voir si je peux l'améliorer pour voir. Si je peux faire vraiment n'importe quoi avec. De trucs qui me ferait vraiment marrer de me faire doubler par un véhicule comme ça sur leur bus. Parce que bon, on va pas se mentir, 190 km/h, donc ma voiture elle les attendra jamais, donc c'est largement possible. Ouais, j'aimerais pas l'avoir en face de moi quand même, ça risque de faire d'énormes dégâts. C'est marrant quand même, c'est marrant. Un petit peu si je vais du coup déplacer un peu hors de la route. Ah là, un petit peu de là, j'ai l'impression qu'elle est pas faite pour... On va aller voir comment je vais... Alors, voyons voir. Le manoir. Garage, amélioration, réglage, amélioration perso. Alors voyons voir déjà niveau motorisation, est-ce qu'on peut... Oui, on peut lui mettre un moteur qui malheureusement on ne le peut pas. On peut pas trop l'améliorer ou modifier de truc celui-là dedans. Est-ce que je reste sur de la propulsion, 4 roues motrices? Je vais rester sur la propulsion, mais par contre on va lui mettre un turbo. Un turbo, turbo, turbo. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Hop, améliorons tout ça. Voilà, on met tout au maximum. La courbe a l'air quand même pas trop mal. On va améliorer les freins, le bar anti-roulis, on va mettre ça comme ça, si jamais je veux faire des réglages particuliers je pourrais. La boîte de vitesse pareil, parce que là je vais devoir la régler parce qu'on va pas du tout rouler à la même vitesse. La taille des roues, ah non c'est la taille des jantes, la taille des jantes j'y touche pas, ça c'est bon j'y touche pas. On est parti, on va installer ça. Donc on est passé en catégorie A. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Les réglages. Alors on va au niveau des rapports. Oui. Non, on va déjà tester comme ça au niveau de la boîte de vitesse. On voir ce que ça donne. Ça va être n'importe quoi. Ah non, ça va, ça reste raisonnable. Reste raisonnable, on n'a pas un comportement vraiment monstrueux. Après ça reste un facteur, hein. Faut pas non plus, on va quand même aller sur le tour pour voir combien on atteint maintenant. C'est dommage qu'on puisse pas modifier les pneus pour mettre des pneus plus adhérents. Personnellement, en vrai, vu la taille des pneus, je m'amuserai pas à les changer tous les 3-4 matins pour mettre des trucs qui adhèrent pour la course. J'ai peut-être été un petit peu abusé sur les liens de recouvrir, j'ai l'impression qu'il a du mal à dépasser. J'ai peut-être du mal à atteindre 230.
je vais laisser comme ça. Hop, et on va aller voir la suite. La suite, donc là on était sur du tracteur. Alors, tracteur, je sais plus. On avait passé Subaru. Je vais revenir sur Subaru. Donc on l'a, ok, on en était à peu près par là. Toyota. Bon bah j'ai essayé la Supra qui est sortie il y a pas longtemps. Améliorée, mais juste incontrôlable. Voilà. Quoi qu'on fasse, elle est incontrôlable. Donc ne jamais l'améliorer à fond pour qu'elle aille le plus vite possible ou qu'elle ait les meilleures performances possibles. C'est juste incontrôlable. Ma petite préférée qui est là, voilà. Ma petite Sprinter Trueno. Après sur le reste, j'ai pas eu vraiment l'occasion de rouler avec. C'est pas des trucs que j'ai vraiment testé. Si, voilà, juste le camion. Après le reste, non, pas spécialement. Donc, où est-ce qu'elle est ? Là, voilà. Donc, je vais reprendre ma petite Toyota, ma petite préférée. Hop. Voilà, ça que j'apprécie le plus. Étant donné que c'est celle avec laquelle je roule le plus, c'est celle aussi avec laquelle je fais le plus n'importe quoi. En train de me poser la question, alors si je vais sur la carte, non là je déménage donc je suis dézoomé au maximum, donc c'est un peu le bordel, il y a beaucoup de trucs. Attends, le Goliath, il y a Fortune Island, et j'avais dit que j'allais voir Lego pour voir un petit peu ce qui me manquait, ce qu'il fallait que je construise. J'aurais pu me téléporter un certain moment au point, mais non. Bon point, rouler. Prenez la deuxième sortie. Il y a longtemps que j'ai pas mal. Hop. Oui, en plus, étant donné que j'ai pas trouvé tous les panneaux éparpillés à droite à gauche à la map. Bah, du coup, j'ai encore de faibles déplacements cette année. Et j'ai pas non plus pris le temps de chercher vraiment. Au rond-point, prenez la première sortie. Pas beaucoup en mode habitacle, en plus avec l'arrière de la voiture. Alors c'est juste une question de. À 400 mètres, tournez à gauche. Parce que j'aime bien observer mon véhicule de l'extérieur, c'est pas non plus. Parce tournez que, à gauche. Je sais pas rouler à. À 100 mètres, tournez à droite. De cette manière, moi je trouve pas que ça change grand chose, à part la vision sur le côté du véhicule à l'arrière. Pas souvent dans le jeu. Aïe. Bon, je vous rassure, je prends beaucoup plus soin de ma voiture que ça en réalité. C'est parti. Alors la map Lego, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième extension, c'est le deuxième DLC qui est sorti après Fortune Island.
Ça a été fait en partenariat justement avec Lego et ils ont fait vraiment des trucs assez sympas. La map elle est vraiment belle. Il y a des Lego partout pour ceux qui sont fans de Lego. Voilà, ils auraient pu essayer de faire un truc aussi pour ceux qui sont fans de Playmobil. Alors, on va passer un peu extérieur parce qu'on va profiter un petit peu de la map. Donc voilà, ma maison. Donc j'ai plein de constructions. Tout à l'heure, il y aurait juste un truc à construire. Alors, je vais essayer de trouver où est-ce qu'on va. Ah, c'est là. Final. Ah, bah voilà, c'est la statue en fait. La statue finale de la victoire. C'est tout ce qui me reste à voir. Le reste, j'ai déjà à tout débloquer. Donc, après, voilà, c'est juste des petits défis comme ça qui nous permettent de gagner des petites briques pour la construction. Là, il me demande de récupérer 2500 briques. Donc bah toutes les petites toutes les tous les petits objectifs qui me restent à faire bah c'est ces fameux 2500 briques qui me manquent. Et après il me reste juste celle-là où il me semble que hein, votre maison. Voilà, c'est le dernier truc. C'est justement il faut que je termine les dernières constructions. Une fois que c'est fait, je déverrouille cette épreuve-là et puis je sais pas ce que c'est par contre, j'ai pas été voir de vidéos sur internet pour voir si des gens l'avaient débloqué ou du moins tentaient de le débloquer. Vous féliciter quand même un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même très intéressant. Vous voyez, il y a des petits personnages Lego qui se battent, qui jouent et tout. Aussi. Pour l'histoire un petit peu de la map Lego, c'est une map normale on va dire, avec des constructions Lego en grandeur nature qui ont été rajoutées par-dessus. C'est pour ça que vous voyez des arbres, tout ce qui est vous avez normal. Atteint votre destination. Et voilà, c'est qu'en fait, tout autour de la route, les constructions Lego ont été rajoutées pour rentrer dans le thème. On n'est pas sur une map vraiment 100% Lego, c'est vraiment. C'est comme si en fait à côté de chez vous, il y a des gens qui s'amusaient à construire une ville Lego, une forêt Lego, voilà, vous aurez toujours la nature, la vraie nature, celle que tout le monde connaît, en plus des constructions Lego tout autour. Vous avez atteint votre destination. Donc là, je fais un petit peu le tour de la map de l'extérieur. Je vais aller vers le nord, normalement il y a le petit circuit le circuit court. On va commencer par là. Bon, il y a des petites rampes comme ça, les rampes c'est pas mal, ça accélère le véhicule, ça permet de faire des sauts vraiment impressionnants. Des petits objectifs, faut détruire des puits, faut détruire la construction, faut détruire. Des tables, détruire des bancs, faut détruire là ici des lampadaires, des sortes de poubelles. Il y a toutes sortes de missions comme ça, un peu aléatoires, pour récupérer des briques, pour les construire. Donc là on arrive au circuit. Le circuit Lego est juste derrière là. On va arriver directement sur le grand tour du circuit. Voilà, hop, nous sommes sur le circuit Lego. Oula 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 oula. C'est pas bien de voir, c'est pas bien de voir que nous voyons. Voilà, le fameux circuit Lego. C'est un circuit classique. C'est un simple tour avec une courbe serrée, une courbe longue. Le départ elle est ici. Après il y a d'autres petits circuits, des petites déviations ensemble pour faire des trucs un peu différents, pour d'autres épreuves. Là on est vraiment sur le grand circuit de vitesse.
déjà arrivé au maximum. Voilà, petite épreuve de zone de vitesse dans le virage. Le virage incliné, il faut vraiment garder un maximum de vitesse. C'est pas avec une voiture qu'on peut péter plus vers toi. Mais voilà, je vous ai présenté le tour des deux. Après, pour ceux qui connaissent, j'ai pas grand chose à vous apprendre. Hein. Si vous avez des DLC, utilisez cette map, venez souvent ici. Voilà, j'ai rien de plus à vous montrer, vous connaissez déjà. Voilà, là, on est vraiment au milieu, là, il y a vraiment des circuits alternatifs, on peut vraiment faire toutes sortes de choses, alors qu'on se crée eux-mêmes leur circuit. C'est vraiment pas mal parce qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. On peut vraiment créer le circuit qu'on veut, le faire long, pas long, truc difficile, truc simple. Alors. Voilà, ça c'est la fameuse statue qu'on doit construire en mode doré pour l'installer chez nous. Je pense pas qu'elle est aussi grande, du moins j'espère pas. Parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon terrain. Smoky Sauvage qui dit passe la plainte. Alors, je suis désolé, j'ai pas mis ton message à temps. Je sais pas à quel moment tu m'as demandé de passer la cap. Tiens, histoire d'être dans le thème, on va prendre une voiture Lego. Voilà, comme ça vous avez l'occasion de voir un petit peu. Allez, la Mini Cooper. C'est marrant. Alors Mini Cooper, donc on est vraiment sur un modèle Lego. Hein. C'est vraiment. Moi je pourrais la construire moi-même chez moi avec des pièces Lego. Exactement la même. Peut-être pas à l'échelle 1, mais. C'est pas une Mini Cooper comme les autres, hein. Déjà elle est en Lego et puis en plus ça roule très vite. Donc elle a du rapport, elle a quand 300 km/h en descente. Hop. Voilà, c'est juste pour pousser le côté un petit peu vraiment hilarant du jeu. Donc là nous sommes arrivés dans la ville Lego. La ville Lego comme vous pouvez le voir. Hein. Tout est en Lego. À part quelques arbres, la pelouse, la route principale n'est pas en Lego. Là on a vraiment une route Lego avec des feux, des poubelles, les objets, tout. On a les villageois qui sont cachés. Voilà, ils sont là sur le balcon, ils sont heureux de me voir. Bon, que je sois là ou que je sois pas là, je crois qu'ils sont toujours heureux de toute manière. Ça change pas grand chose. Hop. Donc je vais passer en mode photo, c'est juste pour le petit appareil photo qui était sur au-dessus du véhicule. Ça veut dire que du coup c'est un véhicule que je peux prendre en photo pour l'ajouter à la collection des véhicules photographiés. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis ça en place, je pense que c'est dans la période où je pouvais pas démarrer le jeu. Parce que j'avais un problème où le jeu en fait il plantait des joueurs safe. Et on va dire que j'ai pas vraiment passé mon temps à prendre des véhicules en photo. Donc c'est un truc que je peux faire à n'importe quel moment, même en pleine course, en condition de pas faire des joueurs, parce que un joueur peut pas faire pause. C'est logique. Thank you.
balade sur la map Lego, voilà, c'est marrant, il y a plein de couleurs. Ils ont fait vraiment un truc qui était pas mal. Bah, ici on peut faire plein de trucs, on peut casser, on peut rouler, on peut sauter, on peut faire des tricks, on peut faire plein de trucs, on peut faire du skateboard sur des rampes, enfin, c'est genre avec la voiture. Et n'importe quoi. C'est un peu comme je fais. Je fais un peu vraiment n'importe quoi. Voilà. Ah, vous savez pas faire ça, hein. Ah, vous savez pas faire ça. Bon, alors ça c'est bon. J'ai vu qu'il y a un tremplin là. Alors, est-ce que ça passe? Large, non, on n'était pas large, on était juste, mais c'est passé. Alors, il y a la route qui est juste derrière, on va passer par là. Dans cette direction, on a le phare, tout en bas de la map. Voilà, là on a le phare Lego. On a là pas mal d'épreuves qui commencent de ce point là et qui nous demandent de sprinter pour aller dans d'autres directions, d'autres points de la map, ou alors c'est très souvent un point de destination finale justement pour les épreuves. Les fameuses rampes, donc la fameuse rampe elle accélère un petit peu le véhicule, hein, permet de faire des sauts quand même assez conséquents. Même pas mal de trucs sur cette map en fait. Voilà, ce truc là, ça permet de gagner. Il y a des objectifs, je vais prendre un truc, ça va gagner de l'influence, ça apprend pas mal. Alors ici, voilà, c'est les chambres. C'est les Lego. Vous pouvez le voir, je suis en train de tout détruire. Après, normalement, si je fais des arbres Lego, les gros on peut pas les détruire comme les vrais, hein, les vrais Lego. Les petits, si. Voilà, certaines structures qu'on ne peut pas détruire. Alors là, nous avons l'aéroport avec les avions, on a la piste de décollage, l'atterrissage, plein de cubes. Et si on peut se faire des cubes avec des voitures, hop. Bon, je fais jamais de strike. On a du port qui est là, avec un hélicoptère. Ensuite, par là-bas, on a le désert. Donc, c'est un désert cimetière dinosaure. Hein. Là, on a des ossements, on a tout ça. C'est fait en Lego. Hein. Ça, c'est encore des Lego. De toute façon, on est sur la Lego. L'ouest ici, juste là. Pareil, pas mal de points de départ des objectifs sur l'oasis. La petite ligne qui est au centre là. Pareil, hein, les palmiers sont en déco. Et théoriquement, dans cette direction, je crois qu'il y a le point de crash de l'oasis. Des petits vaisseaux spatiaux en mode soucoupe volante qui sont crashés dans le coin. Voilà. Là on peut voir des soucoupes volantes, Lego,
Il y a pas mal de choses, ça c'est bon. Je vais tester une autre voiture Lego. Juste histoire de vous montrer que malgré le fait qu'on ait des Lego, elles ont quand même des performances qui sont similaires au vrai. Donc voilà, elle a vraiment elle a la tête d'une voiture Lego, mais bon, sous le capot. On n'a pas un moteur Lego quand même, c'est pas... Si un jour vous voyez une voiture comme ça en vente sur internet, vous l'achetez et puis qu'elle démarre vraiment comme ça, c'est vraiment qu'on s'est pas foutu de gueule. Donc, le seul inconvénient c'est que en vrai, faut pas toucher le moindre mur, la moindre barrière, le trottoir, faut pas se louper, si vous faites un créneau... Avec. Vous pouvez vous dire que l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez très bien ramasser la pièce qui est tombée et la remettre en place. Voilà. Ça se remonte. Et par contre, si vous avez un accident, quoi, c'est... Ben voilà, quoi, ça, c'est à vous de vous amuser à retrouver toutes les pièces éparpillées un peu à droite à gauche, autour du crash. On a des décors qui sont vraiment pas mal hein, sur les temps de chargement, c'est vraiment joli, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vraiment la même chose en course. Après on n'a pas non plus le temps vraiment de s'intéresser à ce qu'il y a autour du paysage, enfin le paysage qu'on a autour de la voiture quand on roule. Il y a certaines courses où ça va tellement vite que c'est pas ça que je voulais faire. Je voudrais juste reprendre ma petite Toyota. Hop. Ouais, j'adore vraiment cette voiture. C'est vraiment une voiture que j'apprécie énormément. Je vais essayer de faire une petite course Goliath. Faites demi-tour dès que possible. Et après, ce sera ma dernière course. Et je vais m'arrêter peut-être là pour Forza. Nouveau calcul de l'itinéraire. Je joue de temps en temps sur le jeu, donc je pourrais toujours refaire de temps en temps des streams dessus. Genre rien de bien exceptionnel à vous montrer. Mais je pourrais toujours en faire de temps en temps, juste pour les gens qui veulent venir discuter, parler un petit peu des réglages, des voitures, de ce que vous pouvez faire. Enfin, je suis vraiment ouvert à la discussion, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. À 400 mètres, si vous voulez me dire que je roule n'importe comment, que je suis un très mauvais conducteur, vous avez tout à fait le droit, c'est pas un truc. C'est pas un truc qui va non plus me. Ça va pas m'impacter plus que ça. Je suis pas non plus un professionnel dans le domaine, donc. Le seul truc que je regrette, c'est que dans la plupart des amis que j'ai, enfin qui jouent, avec lesquels je joue, la plupart en fait n'apprécient pas les jeux de course, ils sont pas très de course, c'est pas leur truc, donc du coup c'est le genre de jeu où la plupart du temps je joue tout seul. Après je joue à plusieurs aussi, à part parfois du roleplay, faire des animations, des trucs sympas comme ça, ouais, pour faire des courses peut-être moins. Et des courses en équipe, ouais, c'est des petites courses en équipe, mais bon. Après, sinon, il y a le mode multijoueur, il y a le mode arène, il y a le mode éliminator, il y a toutes sortes de modes qui permettent vraiment de jouer avec d'autres gens.
comme les gens qui ne connaissent pas. J'ai eu l'occasion de tester, c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai quand même l'occasion de tester, c'est drôle, c'est amusant. J'ai quand même bien apprécié, malgré le fait que c'est pas trop ce que je préfère. Ah, sur les trois différents types de courses qu'il y a, enfin, il y en a plus que trois, parce qu'il y a donc la course sur route, en journée légale, il y a la course de nuit, qui est théoriquement pas légale, dans le jeu, avec du coup, bah, il y a les autres voitures aussi vite qui sont là la nuit qui roulent, qui peuvent gêner, enfin voilà. Il y a les courses tout terrain, donc sur circuit terre, voilà, et après il y a des courses où vraiment c'est à la Wallonienne, on traverse les champs, on fait n'importe quoi, on passe dans la ville, entre les maisons, après on traverse un champ, puis on se retrouve sur la montagne. Vous avez atteint votre destination. De course, et surtout ces types de courses, moi j'apprécie vraiment, vraiment le plus, c'est rouler sur la route. Un petit peu aussi celle où on fait vraiment n'importe quoi, parce que le circuit il passe vraiment dans les champs, ça fait vraiment des circuits, mais voilà quoi, c'est pourquoi le circuit il est comme ça, qui a eu l'idée de faire un circuit comme ça. Des fois on tombe sur des trucs, on se pose quand même la question. Donc je reprends mon petit circuit personnalisé. Juste avant j'ai choisi le joueur contre joueur, et j'espère que il y a au moins une personne qui va bien vouloir rejoindre la course. De toutes les fois où j'ai essayé, le maximum que j'ai pu faire c'est 3 joueurs. Enfin, en me comptant moi personnellement, c'est 3 joueurs sur ce circuit. Et il y a une course justement où il y a une personne qui avait une Mazda RX-7 jaune, customisée un petit peu dans les mêmes tons que Initial D. Et là j'ai fait une course avec cette personne. Alors malheureusement j'ai pas pu l'ajouter en ami, je me souviens pas de son pseudo. C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir rester en contact avec lui. Parce qu'on a fait une course mais qui était vraiment, mais c'était magique. Dès le premier virage, il a fait comment en fait, il m'a suivi, il a dérapé, on a fait des dérapages, on était vraiment l'un à côté de l'autre, on a fait vraiment une course qui était magique. On s'est suivi vraiment d'un bout à l'autre de la course. Et c'était là franchement j'ai vraiment pris mon pied sur cette course là. Malheureusement c'est le genre de choses qui arrivent très rarement. La plupart des gens qui rejoignent cette course là, ils connaissent pas Initial D, ils comprennent pas trop l'intérêt, le but, ils font la course, ils me voient faire des dérapages dans les virages, donc ils essaient de faire pareil, ils se loupent, ils quittent la game. Donc en joueur contre joueur, cette course c'est très rare quand je la termine. C'est très rare déjà quand je trouve des joueurs qui veulent bien participer. Ça fait déjà 2 fois que je relance l'attente de joueurs. Après les gens ils sont plus enclins à accepter des courses de type on est sur l'autoroute, on fait 25 allers-retours, hop, voilà, avec des véhicules super rapides, il n'y a pas besoin de contrôler les virages, machin, on a juste à tracer en ligne droite, on gagne masse XP, masse crédit, et puis voilà quoi, c'est tout ce qui les intéresse au final. Donc là j'ai quelqu'un qui a bien voulu rejoindre, alors j'espère qu'il va pas quitter la course en plein milieu, parce qu'il est quand même midi 45, donc j'espère que c'est pas quelqu'un qui n'a pas encore mangé, parce que ce qu'ils ne savent pas c'est que la course en général dure entre 20 et 25 minutes. Donc voilà, j'espère juste qu'ils sont prêts à rouler pendant 25 minutes pour faire une course. C'est aussi une des raisons pour laquelle la plupart des gens quittent la course, parce que c'est trop long. Les gens, ils ont pas non plus envie de passer une heure et demie sur une course à rouler, voilà, juste pour pas grand chose. Mais le truc c'est qu'à la fin les récompenses elles sont quand même
elles sont quand même équivalentes un petit peu au temps de jeu, à la distance parcourue, au niveau de la course. Donc oui, le plus optimal pour quelqu'un qui voudrait vraiment gagner beaucoup d'argent, ce serait d'avoir le même circuit mais avec des voitures très très rapides. Comme ça, on optimise le temps de course et puis bah, ça permet aux gens de foncer, foncer et puis de gagner un max de récompenses plus vite. Là, comme j'ai limité les courses, la catégorie à la classe B, bah du coup, voilà, ça réduit un petit peu les chances d'avoir des joueurs qui restent. Alors là, on a quand même un concurrent qui a une voiture optimisée pour la classe B. Lui, il y a des chances qu'il mette la misère. Et par contre, le deuxième, ouais, il a choisi, je pense, une voiture qu'il avait disponible. Il n'a pas optimisé de véhicule pour cette catégorie. Il a peut-être un petit... Lui, il a peut-être des chances qu'il quitte la game. Je sais pas, on verra. Hein, alors là, malheureusement, au début de la partie, on est en mode grisé. Je trouve ça un petit peu normal, en mode fantôme, comme ça au début d'une partie. Parce que bon, au début de la partie, c'est un petit peu ce qui nous. C'est un petit peu ce qui nous permet de définir les positions un petit peu entre les personnes au démarrage. Le fait de pouvoir doubler assez facilement juste en passant au travers. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, voilà, on en a un qui a déjà quitté. Je pense que celui qui a quitté, c'est celui qui avait le véhicule qui n'était pas optimisé. Pour la simple et bonne raison qu'il s'est pris un mur. J'ai pas fait trop attention. Donc là, pour essayer de garder un petit peu de concurrence, je vais l'attendre. C'est au risque de perdre à la fin, hein, parce qu'il a un véhicule qui théoriquement est censé avoir une meilleure vitesse de pointe. Je sais pas comment il a fait ses réglages. Donc je verrai bien. Là, juste pour information, sur la gâchette d'accélérateur, je suis pas à fond. J'ai pas l'impression qu'il arrive à rattraper. Ça va être très compliqué. Je vais lui laisser la place de doubler. Enfin, par contre, tu serais gentil de me pousser. Je te laisse me doubler, alors s'il te plaît. Ah ouais, il freine, ok. Je sais pas comment il joue, si c'est au clavier. Il a l'air de vraiment faire gaffe au virage. Je vais l'observer un petit peu. Voilà, c'est malheureux, mais bon, au moins comme ça, je sais que s'il est dedans, voilà, pour lui, il est premier, il peut gagner, donc il va pas quitter la course. Je suis un peu obligé de faire ça parce que bah, sinon, comme pour notre troisième concurrent, il a un petit peu quitté, on va dire. Hein. Il est plus là, hein. C'est fini pour lui, la course est terminée. Il est parti faire autre chose. Donc là, on voit qu'il a quand même 2 étoiles, donc il a quand même pas mal joué. Il est quand même prestige 2. Quelqu'un qui joue quand même pas mal. Théoriquement, il est censé connaître un petit peu les routes, il est censé connaître un petit peu la map. À la création du circuit, j'ai essayé vraiment de créer une trajectoire idéale, propre, assez représentative de ce qu'on peut avoir. Avec la trajectoire, normalement il devrait optimiser son freinage. Là j'ai pas l'impression qu'il joue avec la trajectoire. Ah, il essaie quand même de déraper de temps en temps, il essaie. Je pense qu'il joue au clavier. Vu les accours que ça donne sur les roues avant, je pense qu'il joue au clavier. Ou alors il a une manette avec un joystick. C'est soit il appuie sur le joystick, soit il appuie pas. Soit il est à fond, soit il est à zéro.
Je pense que du coup, comme c'est une voiture de base qui est plus performante que ma Toyota, je pense que le niveau d'amélioration possible à apporter. Ah bah c'est pas mal ça. Le niveau possible d'amélioration, il doit pas être super élevé. Donc du coup, ouais, je joue avec une manette sans fil. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait. Voilà, donc j'espère que ça me refera pas non plus trop souvent. On reste quand même en course, hein. En course, il n'y a pas de pause. Si la manette elle se déconnecte, la voiture elle continue de rouler, qu'elle soit dans le bon sens ou pas du tout de la map. Bon. On va la rattraper. Ça c'est le genre de truc quand ça arrive à quelqu'un, bah, en admettant que ce soit son cas en face, ça lui arrive, il sort de la route, il loupe un checkpoint, la game, c'est pas vas-y c'est mort, c'est perdu, tu loupes un checkpoint, ça fait perdre trop de temps, donc c'est mort. Donc il fait quand même vachement attention quand il roule. Il prend pas trop de risques au niveau de la vitesse dans les virages. Il pourrait aller plus vite. Après, il connaît pas trop le circuit. J'ai l'impression qu'il a une tête de citrouille sur son personnage. Je vais essayer de voir ce qu'il a. M'approcher jusqu'à côté histoire d'observer mais sans qu'il se doute que j'ai plus de puissance que lui. C'est ça, j'ai l'impression qu'il a bien une couleur, ça il est peut-être aussi trop bien. Il va pas me laisser passer. C'est un trou. Elle est énorme cette tête de citrouille. Excellent. Bon, c'était soit le mur, soit lui. Ah, il a pas voulu me laisser la place. Moi, j'ai gentiment laissé passer au début et lui, il me bloque le passage. Je sais pas faire place. Hein. Ah, il veut gagner. Je peux le voir. Hein. C'est logique quand tout le monde veut gagner une course. Samouraï Jark. Ouais, ça par contre, je suis désolé, c'est pas un truc que j'approuve dans les jeux vidéo, surtout pour ce jeu. Tu pousses pas quelqu'un comme ça, ça se fait pas. Voilà, ce genre de truc, ça se fait pas. C'est pas réglo, c'est pas. Bon, là, le jeu l'autorise, c'est pas du tout fair play. Voilà, je peux pas lui en vouloir pour ça, mais... Vous connaissez par exemple un F1, un Assetto Corsa ou un autre jeu vraiment plus typé simulation. Vous faites pas ça, quoi. Vous faites vraiment pas ça, c'est vraiment vous pourrissez la game des autres. Bon, une petite tapote, je pense que... What? Ah, il a loupé le checkpoint.
C'est rapide à te faire revenir en arrière le checkpoint. Moi j'ai un décompte de 5 secondes avant le retour en arrière. On va l'attendre. J'ai pas envie qu'il déconnecte non plus, c'est pas le but. On va faire n'importe quoi non plus. Faut pas non plus qu'il sente que je suis là en train de l'attendre. J'ai pas du tout peur de la défaite. Pas non plus qu'ils se disent qu'il a aucune chance. C'est pas super sympa pour lui, mais bon. Pas que je suis un pro non plus, j'ai toutes mes chances de gagner à 100%, mais c'est que voilà, j'ai avec le temps, à force de faire des courses en PVP sur ce jeu, la plupart du temps les gens ils quittent parce que ils ont pas de chance, ils se sentent pas pouvoir gagner en fait. Et pour eux, c'est un motif suffisant pour quitter une game. Celui qui reste à la fin en coop encore, je dis pas parce qu'il y a l'IA qui est contre toi, t'es dans l'équipe, voilà, le gars il quitte, bon il a quitté, tant pis, c'est pas grave, le jeu il s'adapte, le nombre de points il s'adapte par rapport aux IA disponibles par rapport à toi, donc t'as toujours possibilité toi tout seul de gagner. Alors que là, on est l'un contre l'autre, s'il quitte, j'ai plus aucun intérêt à finir la course, à part pour quelques récompenses. Bon, malheureusement, bon, le premier lui l'a quitté tout de suite, donc il n'a pas perdu de temps. Et bon, là, s'il quitte maintenant, c'est un peu dommage parce que il n'aura aucune récompense, il aura perdu du temps. C'est gentil, toi, je t'ai senti venir, t'as essayé de me rentrer dedans. Allez, montre-moi ce dont ta voiture est capable. À combien tu roules? Ah, je suis gentil en plus, je laisse passer. Pour me faire un petit coup de klaxon, histoire de me dire merci, tu vois. Non, non. C'est vrai que par contre son accélération elle est pas impressionnante. Alors je sais pas ce qu'il a dû modifier pour monter en B 700, parce que pour atteindre les 700 il a dû forcément modifier quelque chose, mais je sais pas quoi. Quand il est en vitesse de point, je pense qu'il va être mieux. Je vais appuyer un peu plus, enfin, au moins essayer de le suivre en ligne droite, ça pourrait être pas mal. Pas loin autour de 200 francs lui aussi. Après, si vu les accos qu'il a au niveau de la direction, s'il joue au clavier, il doit pas perdre quand même pas mal de vitesse. Parce que dans une direction voiture, le tout ou rien, c'est pas bon. Ça marche moyen. Au minimum, avoir au moins un joystick avec une direction qui peut régler en fonction de. Virage, genre tourner un tout petit peu, tourner un peu plus, tourner beaucoup. Ça permet de stabiliser un peu mieux le véhicule. C'est mieux pour moi, il ne faut pas me laisser passer. Si j'essaie, est-ce qu'il va voir me rentrer dedans?
Bon, je pourrais pas passer, je crois que je suis à rien à la limite. Je confirme, bien plus rapide que moi en ligne droite. Oui, il y a un petit virage. Oh, allez, tu peux me rattraper. Pas. Donc je vais lui laisser l'extérieur pour qu'il puisse doubler. Je vais garder l'intérieur. Au moins ça le rassure un peu, il se dit voilà je peux toujours gagner. Il a vu que j'étais plus rapide parce que je freinais beaucoup plus tard. Ouais, il freine un peu tôt quand même. Si quand il n'est pas à grande vitesse, il pourrait genre freiner moins plus tard. Avoir des trajectoires un petit peu plus propres, ça l'aiderait pas mal. Pour essayer, plutôt qu'essayer de me barrer la route ou de rentrer dans les gens ou quoi que ce soit, travailler un peu plus les trajectoires, le freinage. Voilà, genre ce truc là, ça c'est. Je suis désolé, mais. Ça, c'est le genre de truc que je supporte pas. Le mec qui fait ça. Voilà, moi je suis pas comme ça. Bon, à la troisième fois où il me bouscule, il me pousse, il me prend, il essaie de me sortir de la route comme ça, je donne tout, je le grille, voilà, je me retiendrai plus. Non, parce que moi je veux bien être gentil, voilà, au bout d'un moment, faut pas non plus, faut pas abuser, quoi. Sauf qu'en plus, moi je lui fais des ouvertures, je laisse passer, je le bloque pas, quoi. Je prends l'extérieur, je vise complètement l'intérieur pour pouvoir doubler. Donc... faudrait comprendre quand même que c'est pas le genre de comportement qu'il faut avoir dans une course. Inspiration, sachez qu'on a le droit de en avoir besoin. Et le petit décal, je pense qu'il doit sauter que je prends son inspiration, c'est un terme d'actuel. Ce virage de magie qui m'entraîne, alors que je n'ai pas spécifiquement besoin sur cette vitesse. Mais non, on est ok. Pas déconner là.
Ah, c'était là, c'était purement volontaire. Là, on peut pas le nier. C'est... Bon. On peut pas être loin d'avoir passé la voiture. Ouais, j'ai dit, je suis en train de repenser, j'ai dit à la troisième, je donne tout, je le grille, et puis voilà, tant pis. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, voilà, je me dis, bon, là, il y avait pas de place, la fois d'avant, c'était peut-être le coup du hasard. Allez, je lui donne encore une chance. Je lui donne encore une chance de pouvoir rouler, de me trouver, quoi. Voilà, c'est pas du genre à bousculer les gens. Non, pas le droit. Interdit. Ça c'est pas volontaire, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai pas envie qu'ils me pourrissent ma zone préférée de drift. Je vais essayer de la passer devant. Pas gentil de tapoter sur l'arrière du véhicule. J'ai réglé mon véhicule pour qu'il chasse facilement l'arrière, alors du coup c'est peut-être pas le moment de. Ouais, je vous laisse une porte ouverte. Elle est magique. Ouais, en plus je suis un peu n'importe quoi. Ça, je pense que malheureusement, s'il utilise un clavier, c'est pas le genre de truc qu'il arrivera à contrôler correctement. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent. Voilà, ça, ça se fait pas. Désolé, je rentre pas dans les gens comme ça. Après, il a une sacrée tête de citrouille, c'est peut-être le diable, hein, qui veut faire sa travail pour que j'ai un accident.
Allez, là je vais en manger un petit peu. Ah, c'est pris un mur. Le bassin, il est pas coupé. Ouais, j'accélère parce que là, à partir de là, j'ai plus beaucoup de virages pour me rattraper. Après, si j'ai reçu une boulette. Je sais, ça se fait pas, mais bon. Si pour toutes les fois, oui, bah, faut se couler. Pour lui montrer que j'étais vraiment sympa sur le début de la course. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Oh là là. Il a pas l'air de lâcher quand même. Alors, ça va être difficile de me rattraper pour lui, sauf si je me prends un merde et je sors de la route. Il y a de fortes chances de m'arriver si je me concentre pas. Hop! Et ben du coup. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ça aurait pu. Hop! Donc, je suis désolé, j'ai vu que ton message après. Après la course, le logiciel m'a demandé si je voulais le garder ou le supprimer. Effectivement, oui. Il m'a un peu cassé les couilles. Mais bon, rien de bien méchant, c'est pas non plus comme s'il m'avait vraiment pourri ma gueule non plus. Enfin... Il n'y a pas trop... Je vais laisser d'énormes occasions. Je suis vraiment resté bien longtemps, des fois à côté de lui, vraiment pour bien voir si vraiment il voulait vraiment m'éjecter, si c'était vraiment son intention. Il y a des fois j'étais bien à côté, il aurait pu le faire 100 fois, il l'a pas fait. Voilà, je vais pas non plus aller jusqu'à lui tirer dans les pattes. Il a pas trop été méchant, il a fait la course. Il va avoir de très bonnes récompenses, hein, même s'il est deuxième. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe aux récompenses, j'ai pas regardé. Elles sont quand même pas mal parce que ça reste quand même une course assez longue. On a quand même plus de 62 ou 64 km, je crois, de circuit. J'ai quasiment pour ce circuit utilisé la totalité des kilomètres autorisés que le jeu peut te permettre de faire au niveau des circuits. J'ai vraiment utilisé la totalité du kilométrage et du coup ça fait une course très longue, mais ça permet de au moins de prendre le temps de s'éclater. Après j'ai choisi le Goliath, mais j'aurais pu c'est mauvais ça, c'est pas de chance. J'aurais pu prendre un autre point de départ pour faire exactement le même circuit, hein. C'est pas obligatoire de reprendre exactement les mêmes routes que les circuits qu'on connaît déjà du jeu. Non, c'est pas moi, faut klaxonner, c'est ton pote derrière qui te suivait, qui s'est pris un arbre. Bon, moi je suis pas mieux, je prends les voitures. Voilà, en fait on est tous mauvais sur ce jeu. Ou alors on est tous très bons et c'est les civils qui sont très mauvais. Pour le chat, je vois Smokey Sauvage. Enfin, je vois bien, j'ai bien vu ton message. Je le vois pas apparaître par contre sur le chat du live. Je crois que c'est de ma faute. C'est de ma faute dans les messages. J'ai dû dans les réglages, j'ai dû paramétrer des filtres peut-être un petit peu trop sévères. Surtout pour le mot burn, quoi. C'est pas non plus. On va dire que c'est pas un truc ultra choquant. Je vais modifier les paramètres justement pour éviter que ce genre de événements se reproduisent.
Oh là 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 là. Mais que je suis pas bon. Mais retirez-moi mon permis, bon sang. Oh là là, les panneaux. Oh, je respecte rien. Bon, je vais regagner. Comment ça s'appelle? Mon château. Mon château, mon chapeau. Qui se trouve à l'endroit duquel je suis parti au tout début, tout début, tout début, tout début. C'est pas logique. Et après, je vais m'arrêter là pour cette session de jeu. Donc je sais pas trop, peut-être dans l'après-midi. Je vais déjà monter mon sapin de Noël parce que c'est bientôt Noël et j'ai promis ma copine qu'on le montrait cet après-midi. Donc je vais monter mon sapin de Noël. On va essayer de trouver un emplacement pour le mettre qui soit chaud, magnifique, avec des couleurs qui flashent de partout. Pas trop non plus, j'ai pas envie de devenir aveugle. Puis je ferai peut-être un stream sur un autre jeu après. Je vais voir. Peut-être du Genshin Impact. J'ai pas fait mes 4 journalières aujourd'hui. Je vais peut-être aller faire un petit peu dessus, je vais peut-être faire un stream dessus. Voilà, parce que ça fait quand même. Ça fait quand même 2h30 que je joue. Je crois que dans mon programme j'avais mis 2h. Mais ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Une très bonne session de jeu. Voilà, j'ai pas fait non plus grand chose. Mais je me suis quand même éclaté. C'est le principal. Voilà, j'espère que du coup ça vous plaît aussi, le fait de pouvoir regarder, de pouvoir vous intéresser un petit peu, discuter si vous en avez l'occasion, si vous regardez le live, ou même regarder la rediffusion. Ça peut toujours intéresser pas mal de monde. Donc là on est bientôt arrivé. Oula. J'ai pris trop large vers la droite. Vers la gauche, pardon. Alors là la route pour y aller. Je crois qu'il faut que j'aille en face si je dis pas de bêtises. En face. Et après ce sera à gauche. Encore en face et à gauche. Voilà, c'est ça. Rond-point, on prend à gauche. J'ai pris le rond-point dans le bon sens. Ok, ici on roule à gauche. À 400 mètres, vous arriverez à destination. À gauche. Et voilà. En vrai, j'avais pas besoin spécifiquement d'aller au château pour quitter la partie. Je peux le faire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit de la map. Mais j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Je pars d'ici, bah je reviens là, et puis hop, ça. Voilà, c'est juste que j'apprécie faire ce genre de choses. Il y en a plus d'un, c'est simple, ils s'embêtent pas, ils font Alt F4, ça quitte le jeu, tout pareil. La partie, de toute façon, elle est toujours là, elle est toujours sauvegardée, ça change rien de leur côté. J'aurais pu faire ça, mais c'est pas le but non plus. Je suis pas un bourrin au niveau des applications, je quitte pas mes jeux en faisant du Alt F4. J'en connais un, j'ai un pote qui le fait très souvent. Dès qu'il en a marre, hop, Alt F4, même pour quitter un jeu en classique, Alt F4. Ça m'est même arrivé de le voir Alt F4 deux fois, histoire de fermer le jeu, d'ouvrir la fenêtre Windows, faire entrer pour arrêter l'ordinateur directement. J'ai jamais vu quelqu'un le faire aussi vite. J'étais très impressionné, mais bon, par contre, le souci c'est qu'il était sur un jeu. Malheureusement, si tu sauvegardes pas, tu recommences de ta précédente sauvegarde et. On va dire qu'il est un petit peu tout perdu.
Bon, et ben du coup, c'est la fin de ce stream. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié me voir conduire n'importe comment, faire un petit peu n'importe quoi. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, hein, je vais sûrement peut-être restream un petit peu cet après-midi. Sur d'autres jeux, je stream de temps en temps. Je stream depuis pas longtemps, hein, c'est très récent. Depuis lundi ou mardi, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au stream. Et donc du coup, bah, j'essaye de faire des trucs. Je débute, hein, pas m'en vouloir si c'est pas ouf. J'ai pas accès à toutes sortes de choses que les plus grands ont. En même temps, je suis pas un grand, je suis un tout petit grain de sable dans le monde du streaming, sur la plage du streaming, je suis rien du tout. Mais bon, avant tout, je fais ça pour le fun, je fais ça pour moi, pour ceux qui ont envie de regarder, voilà, ceux à qui ça plaît, ceux à qui ça plaît pas. Ceux qui ont envie de suivre, bah, suivez, hein, de ce côté-là, moi je peux que vous en remercier. N'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer des petits messages, poser des questions, discuter. Il n'y a pas de souci, je pourrai y répondre quand je serai dispo, quand je serai pas non plus sur un jeu où là, je suis concentré, je suis dans mon truc et je ne regarde pas le chat. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal encore avec ça. Il faudra que je le regarde un peu plus souvent. Genre, quand il y a des questions, enfin des personnes qui me posent des questions ou qui me conseillent des trucs. Voilà, j'ai pas les yeux sur le chat, ce qui fait que. Malheureusement, je le vois pas. Tout de suite, du moins. Mais je vais essayer de travailler là-dessus. De ce côté-là, ça va venir petit à petit. Je vais faire des efforts là-dessus pour que vraiment je puisse interagir avec, avec le chat le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc moi, je vais en profiter pour faire une petite pause. Je vais sûrement aller préparer à manger, manger. Et je vais revenir plus tard. Donc voilà, donc je vous remercie pour ceux qui regardent le stream, pour ceux qui regardent en replay les vidéos qui s'enregistrent, enfin que j'enregistre sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc j'espère vous revoir sur mes prochains lives, sur d'autres jeux, n'hésitez pas. Je peux que vous remercier de votre soutien et je vous dis à bientôt et merci encore. Ciao.